Fradi et nous sommes à Carthage. Dans la langue sémitique, Carthage, c'est la ville nouvelle, celle que des Phéniciens venus du Liban étaient venus fonder au 8e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, Carthage avait pour banlieue un village très ancien qui s'appelait Tunis, et maintenant c'est le contraire. Carthage est devenue la banlieue de Tunis, une banlieue très agréable, comme vous voyez. Et compte tenu du caractère historique de Carthage, on est fondé à croire que sous ce bitume, il y a des ruines de la Carthage punique peut-être, et certainement de la Carthage romaine. C'est certain. À n'importe quel endroit de Carthage, si vous fouillez à 60 cm, vous trouvez des vestiges qui probablement peuvent être très importants. Quand on parle de cette ville antique, en réalité, on parle de deux villes. D'abord, la capitale phénicienne, punique, qui a duré 500 ans, extrêmement glorieuse, une époque pendant laquelle ces gens ont véritablement gouverné la Méditerranée. Ils ont pris la Sicile, ils ont failli prendre Rome et l'Italie, ils ont fondé des colonies partout. Et après des guerres avec Rome qui se sont très mal terminées, il y a eu cette fameuse destruction de Carthage, puis un siècle de néant. Et ensuite, les Romains ont fondé au même emplacement une autre ville, ville qui a été la plus importante capitale provinciale de l'Empire, qui est devenue extrêmement riche, extrêmement luxueuse. Un Africain célèbre de cette région, Saint Augustin, en a décrit justement le caractère luxueux. À ce moment-là, la région de Carthage était véritablement un grenier de Rome, et non seulement de Rome, mais de l'Empire romain. Son commerce a été prospère à une époque très avancée, jusqu'au 7e ou 8e siècle après Jésus-Christ. L'eau coulait partout, et par exemple, grâce à ses citernes, qui sont les plus vastes connues du monde romain. Mais de toute manière, que l'eau vienne du Mont Zagouan ou d'ailleurs, Carthage a été véritablement un empire maritime, toujours une ville tournée vers la mer, et c'est par le commerce qu'elle a toujours été extrêmement prospère. La nouvelle menace qui pèse sur la Carthage antique, c'est l'urbanisation, n'est-ce pas? Oui. Il est difficile d'interdire toute construction, surtout ici, par exemple, au voisinage de Carthage, un lieu qui était déjà réservé à la villégiature des anciens. Cependant, la loi oblige, avant toute construction, à procéder à des sondages. Et on peut espérer qu'une autre loi interdira la construction complètement dans le périmètre de la Carthage antique. À l'appel de l'UNESCO et du gouvernement tunisien, plusieurs missions procèdent à des fouilles. La mission française, dirigée par Serge Lancel, explore la colline de Birsa. Nous sommes sur l'une des trois collines qui bordent le site du côté de la mer et qui forment une espèce de couronne naturelle le long de la grève où, pense-t-on, ont atterri les premiers compagnons de Didon et Lissa. Lorsque Didon et Lissa est arrivé ici, elle a demandé par ruse aux habitants libyques qui étaient là, qu'est-ce qu'ils pouvaient lui donner comme terre d'asile pour elle et ses compagnons. Et les autres lui ont dit, eh bien, tu peux choisir peut-être quelques arpents de terre, un peu de terre sur cette colline où nous sommes justement maintenant. Et Didon a dit tout simplement, eh bien, je prendrai assez de terre, ce que une peau de bœuf peut couvrir de terre. Les Libyens ont bien ri de sa naïveté, mais elle a fait découper la peau de bœuf en très fine lanière, et ainsi elle a obtenu un périmètre très considérable qui couvrait pratiquement l'ensemble de la colline. Les célèbres ports puniques sont le domaine de la mission britannique où travaille Henry Hearst. We have an eyewitness description of the Punic ports at Carthage, of their state just before the Carthaginian city was destroyed in 150. Hearst rappelle que l'historien Appien avait décrit
deux ports à Carthage. L'un circulaire, où mouillait la flotte de guerre, et l'autre rectangulaire, qui abritait les vaisseaux marchands. The other one, a rectangular one, which was used by merchant shipping for the commerce of the city. Un peu en dehors de la ville, l'Italien Giuseppe Pucci recherche le tracé des routes anciennes. Vous savez que l'ancienne colonie romaine de Carthage était bâtie selon un plan urbanistique qui était déterminé par des routes qu'on appelle en latin cardines et decumani qui se croisaient avec un angle de 90 degrés. Le but de notre travail dans cette zone, c'était de chercher, de retrouver les traces de cette cadastration urbaine. Et on a fait un sondage pour voir si ici, dans le lieu qu'on prévoyait, il y était la route ancienne. Et comme vous voyez, on a trouvé d'abord des dalles, et puis au-dessous des dalles, au milieu, dans l'axe de la route, un égout très bien préservé, un égout voûté qui descendait plus de 2 mètres de profondeur. Les sépultures sont à diverses. Clementina Panella de l'Université de Rome procède à des fouilles dans une nécropole datant du IIe siècle après Jésus-Christ. Comme ses collègues, elle dirige une équipe de travailleurs locaux. Et sans l'aide de ces travailleurs, les recherches seraient impossibles. Au reste, la population de la Tunisie a si peu changé en 3000 ans qu'on peut dire qu'eux aussi recherchent leur passé. Oui, ici, la découverte d'une nécropole, au-delà des limites de la ceinture urbaine de Carthage, de la Carthage classique, laisse à penser que la ville à cette époque devait s'étendre au moins jusque-là. La città non doveva estendersi almeno in età classica. Ce col d'Enfort Rodiens, qui est un très bel objet, et dont nous avons les deux anses avec leurs estampilles, nous avons là un matériel qui, chronologiquement, est tout à fait cohérent avec celui-ci, va exactement dans le même contexte, puisqu'il s'agit d'un objet qui se promène, point de vue de la date, entre le IIIe siècle et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes donc assurés d'avoir ici, à ce niveau où nous sommes, un contexte archéologique qui se situe dans le siècle ou le siècle et demi qui précède la chute de Carthage. Nous avons fait ici un autre sondage, encore pour vérifier le quadrillage de l'ancien Carthage. Et nous sommes tombés dans une maison. Vous voyez ici des murs qui se croisent. Des murs à des niveaux différents. Je suis sur un pavement en béton. Ce pavement a été creusé par des trous faits pour déposer des morts. Celle-ci, c'était une tombe d'un enfant. We have found, or the other archaeologists and us have found, what we think are possibly remains of the Punic naval dockyard, and these dating from the 3rd and possibly the 3rd and 2nd century BC. Depuis 70 ans, les ports puniques avaient donné lieu à quelques sondages et à beaucoup de théories. C'est la première fois qu'on fouille, et il est passionnant de retrouver ici les cales sèches du port militaire de Carthage. Au centre, c'est-à-dire sur un îlot placé au milieu de ce port circulaire, se trouvait l'amirauté des Phéniciens. Les Romains ont ensuite élevé un temple dont on a retrouvé les vestiges, vestiges malheureusement extrêmement ruinés, et c'est bien compréhensible puisque Carthage, et spécialement cette région, a servi de carrière pendant des siècles. Nous avons de bonnes raisons de penser, en réalité, surtout depuis la découverte de la petite ville punique de Kerkouane au Cap Bon, que ces maisons seraient plutôt, en fait, de la dernière époque punique, c'est-à-dire se situeraient, mettons, entre le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et puis peut-être
la chute de Carthage. Faire revivre Carthage, sauver ses pierres, ses mosaïques, c'est l'ambition d'Abdel Majid Enabli, conservateur du musée et du site de Carthage. Carthage est un nom très connu, très prestigieux, mais quand les gens viennent, ils ne trouvent souvent presque rien, ils sont déçus. Alors l'effort que nous sommes en train d'entreprendre est précisément de répondre à l'attente de tous ces visiteurs en aménageant, sinon tout le site, au moins parcelle après parcelle. Et c'est pourquoi nous avons entamé, dans le cadre de la campagne internationale de fouilles, des aménagements parcellaires. Et nous espérons, avec les aménagements successifs de ces différents endroits, gagner autant de parcelles sur l'urbanisation qui, elle, menace terriblement le site. Carthage a été une ville maritime ouverte sur le monde antique. C'est le monde d'aujourd'hui qui doit venir la ranimer. Il reste 500 hectares à fouiller et à mettre en valeur. C'est pourquoi l'UNESCO demande à d'autres États de financer d'autres missions archéologiques.